cérémonie est l'occasion de présenter, par mon nom personnel, au nom du conseil municipal, nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et c'est surtout au moment de convivialité auquel nous attachons tous beaucoup d'importance. Je commencerai par un mot d'humeur. Il y a un an, presque jour pour jour, j'appelais les élus nationaux à apporter une réponse aux dérives fanatiques qui venaient de meurtrir notre pays. J'émettais le souhait que l'État français, comme les États européens, tirent les leçons de ce drame, que les fonctions régaliennes de notre État soient pleinement assumées. Celles-ci sont à minima de protéger les populations et de renforcer la politique d'éducation afin d'éradiquer cette marginalisation. Il ne suffit pas d'annoncer symboliquement les grands principes de notre République. Il faut un engagement réel et sérieux de la part de nos États et de nos dirigeants. L'instauration d'un état d'urgence qui ne solutionne en rien les origines du problème aurait pour moi tendance à montrer le sentiment d'un état fébrile face à une poignée de fanatiques qu'on a laissé prospérer hypocritement. Nous avons des services de police et de gendarmerie compétents, laissant les travailler tout simplement. À l'évidence, il faudra un jour accepter de remettre en cause la politique pratiquée dans notre pays depuis une cinquantaine d'années et de s'orienter vers de nouvelles perspectives pour notre société atteinte aujourd'hui d'un malaise profond. L'individualisme, le manque de solidarité, le rejet de l'autre sont à mon sens le sens d'une société, d'une civilisation qui ne progresse plus. Ce constat n'a rien de pessimiste, il est simplement réaliste. Mais rassurez-vous, collectivement, nous avons nous aussi les moyens de changer notre société, bien qu'il appartienne à chacun d'entre nous individuellement d'assumer la part qui nous incombe. Enfin, rajoutons à cela quelques valeurs comme le respect d'autrui, la responsabilité citoyenne et l'investissement personnel. C'était le sens de ma candidature aux élections régionales, et ceci dans une démarche de démocratie participative en dehors de tout clivage politique. Et je tiens à remercier sincèrement tous ceux qui m'ont soutenu dans cette campagne. Une page est tournée, ce fut pour moi une expérience enrichissante sur le plan humain, intellectuel et relationnel. Ce côté relationnel, il est primordial pour moi. Et ceux qui me connaissent le savent bien. C'est donc en toute simplicité que je veux vous dire que c'est un véritable plaisir de voir autant de personnes ce soir, comme chaque année d'ailleurs, dans cette salle des fêtes pour ce moment de convivialité. Mais le lien social dont nous n'avons pas toujours conscience est alimenté et alimenté de manière permanente, tout au long de l'année, par nos associations communales qui œuvrent toute l'année grâce à des bénévoles fort généreux de leur temps. Et la municipalité soutiendra, en fonction de nos moyens, bien entendu, à chaque fois qu'il le sera nécessaire. Toutes ces associations pour lesquelles je vais demander au président respectif de bien vouloir s'avancer afin de les faire connaître. Donc je citerai en premier lieu le club de foot, avec plus de 180 licenciés, et son président Sébastien Minex. L'association des parents d'élèves, avec M. Walter Piquet, qui organise le marché de Noël et de nombreuses sorties au profit des écoles et des enfants tout au long de l'année. L'amicale laïque, présidée par Sylvie Martès, qui accueille 9 groupes de danse, et même de la danse, dont danse moderne et danse africaine. Hélène Nasternas, malade, qui n'est pas là. Association qui dépasse largement les 170 adhérents, toute activité confondue, avec des ateliers de danse folk, chant, languedoc. Pierre Renaud, responsable de la section marche nordique. L'association de chasse, avec son président Jean-Marie Gay, récemment élu, accompagné d'une grosse équipe de bénévoles qui, depuis de nombreuses années, organise des repas festifs à forte notoriété. Sans compter le rôle qu'il joue dans la gestion synergétique de nos territoires. Si vous voulez vous avancer, les présidents, parce que je vois qu'ils sont timides, ils ne veulent pas s'avancer, n'hésitez pas, venez, vous êtes président de l'association, avancez, venez. Installez-vous, rejoignez le groupe des élus. Donc l'association de pêche avec Éric Mandral, je ne sais pas s'il est arrivé. Éric Mandral, qui réalise un formidable travail pédagogique avec les écoles et un rôle d'entretien des milieux aquatiques. Donc,
Il a d'ailleurs lancé un appel à bénévoles concernant le nettoyage d'une fontaine à la Machonie, ainsi qu'une couane qui se trouve sur la Vézère. Donc là aussi, c'est un projet qui sera soutenu par la collectivité dans le cadre de la préservation du petit patrimoine et de la mise en valeur de la biodiversité. Enfin, je citerai une dernière association qui est née à Condat, une association de course d'orientation. Cette association nous avait fait découvrir cette discipline l'année dernière en rassemblant plus de 350 participants lors de la compétition régionale de 2015. Et au passage, je remercie Madame Roux de la commanderie, Madame Placé et Monsieur Reynal du château de la Flemie qui nous avaient ouvert leur site, des sites remarquables, pour que cette compétition se déroule. Donc ce soir, Claude Frédéric, qui représente le club de course d'orientation, qui prépare la triple compétition qui se déroulera en mai 2016 et qui accueillera entre 600 et 800 participants sur 2 ou 3 jours. À cette occasion, les hébergeurs seront sollicités tant sur la commune que sur les communes voisines. Ceci est pour accueillir tous ces participants qui vont venir de régions voisines et aussi des pays étrangers. C'est une compétition nationale. Un site permanent sera également créé pour les novices, et notamment les collégiens et les lycéens, qui pourront venir s'initier et recevoir également des compétitions et des entraînements d'équipes venant de clubs voisins, voire de régions voisines. Donc j'adresse tous mes voeux de prospérité à cette nouvelle association et au président qui est là, il s'est caché derrière. Je ne suis pas président, mais je représente le président. Voilà, Serge Blasco qui ne pouvait pas être présent, et c'est Claude Frédéric qui le représente. Je remercie donc les bénévoles aussi qui assurent au niveau des activités périscolaires. Là aussi, ils donnent de leur temps au profit des enfants. On peut que s'en réjouir quand un avenir se construit sur les valeurs que l'on transmettra à ces enfants. Ils réalisent un travail prodigieux tout au long de l'année. Et depuis au moins 3 ans, ils proposent diverses activités manuelles, de l'éveil scientifique, du football, de l'initiation à l'occitan, du théâtre, de l'initiation à l'anglais, de l'art plastique, de la cuisine, de l'éveil moteur, l'éveil musical, du chant, de la danse. Voilà, je ne continue pas la liste, mais notre commune est bien dotée, et très bien dotée, je dirais, concernant les activités périscolaires pour les enfants. Il y a d'autres personnes qui s'investissent pour les enfants au niveau des écoles. Et là, je veux parler de la directrice, Madame Briand, avec toute son équipe pédagogique, avec qui nous entretenons de cordiales relations. Sur le plan culturel et artistique, Madame Bureau, peintre dessinatrice, assure sur notre commune un éveil à la peinture et au dessin. Et Madame Moreau, qui accueille régulièrement des spectacles dans l'intimité de sa demeure, dénommée le Manoir des Muses. Nous avons également sur la commune un certain nombre de commerçants et d'artisans qui assurent une proximité de services estimables. Et je sais qu'il est difficile de résister à la tentation d'aller pousser un chariot dans les grandes surfaces. Mais il faut savoir que c'est une problématique récurrente dans nos villages, mais ces commerçants, ce n'est pas le jour où ils auront baissé les rideaux qu'il faudra se poser la question de savoir ce que nous devrions faire, entretenant donc dès aujourd'hui leur pérennité en consommant localement. Nous avons également informé, à travers la revue municipale de Condato, de l'arrivée sur notre commune de cabinet d'infirmières. Donc, je ne crois pas qu'elles soient arrivées, elles sont encore en train de travailler. Donc Madame Cavacos et Madame Pinet. Elles sont là. Donc on peut leur souhaiter un bon accueil et un bon démarrage dans leur activité. Merci d'avoir choisi notre commune pour exercer votre activité. Donc elles se sont installées proches de la boulangerie. Ouais. Vous pouvez retrouver toute la liste de nos professionnels sur le site internet de la commune. Je tiens également à remercier l'ensemble du personnel communal dévoué et que je sollicite grandement, et ce n'est qu'un début, compte tenu de la multiplication des actions portées par la commune. Et je suis certain de pouvoir compter sur leur engagement. Je tiens à remercier également les élus du conseil municipal qui s'investissent pour assurer la gestion de la commune et mettre en place tous ces projets pour l'avenir de Condat. Là aussi, nous avons du travail. Et je leur souhaite du courage de me supporter autant sur le plan
de manière figurée qu'au sens propre. Concernant le budget, je veux dire un petit mot sur le budget. L'État s'est engagé à réduire les dotations au profit des collectivités. Et pour une fois, il a tenu son engagement. Un autre engagement qui a été tenu, c'est celui du transfert des compétences au profit des collectivités locales. Donc je vous laisse imaginer l'écart qu'il y a entre les deux, à savoir moins de recettes, plus de compétences, plus de dépenses. Et c'est pour ça que l'île m'est insupportable d'entendre dire que la Cour des comptes relève la mauvaise gestion des petites collectivités. Je suppose qu'ils devraient revoir leur copie, mais est-ce que cela ne révélerait-il pas une forme de mépris des petites collectivités et des élus locaux que nous sommes et que l'on voudrait voir disparaître? La commune de Condal a toujours une bonne gestion financière avec de faibles taux d'endettement et de faibles taux d'imposition comparé à d'autres communes. Je peux vous affirmer que nous continuerons à investir et à nous battre pour valoriser notre village. Il faut savoir qu'une part du budget est consacrée chaque année à l'entretien du patrimoine de la commune, de la voirie, et ce sont des dépenses inéluctables et souvent irréductibles. S'agissant des réalisations de l'année 2015, la restauration intérieure de l'église, achevée en septembre 2015, après plus de 6 mois de travaux, et notamment des travaux réalisés par des entreprises locales, l'inauguration donc le 21 novembre 2015 en présence d'élus de la région, du département, et l'évêque de Périgueux, donc a permis de nous faire découvrir la beauté de cet édifice, maintenant qui sera réouvert au public et qui accueillera à nouveau des offices, mais également des manifestations culturelles. La cinquième tranche d'assainissement, donc elle a été finalisée en septembre, permettant ainsi de préserver les nappes phréatiques et les cours d'eau le long de la vallée du Colli, notamment. Cette tranche de travaux permet de collecter une 60aine d'abonnés supplémentaires et permettra à la station de fonctionner de manière optimale. Il ne sera pas programmé d'autres tranches de travaux d'assainissement pour au moins 2 raisons. Premièrement, la baisse des dotations d'État et d'autre part, les assainissements polluants avec rejet direct en désert ont été traités. Concernant le reste du programme d'investissement, en plus du programme de voirie habituel d'entretien, il y a 2 voiries qui ont été créées ou remises en état. Donc avec l'autorisation des époux Baudry, que je remercie, la commune a pu réaliser un renforcement du mur de soutènement du chemin de Combelgui, en améliorant ainsi la sécurité et l'accessibilité pour les véhiculants au niveau de la rue des Martinets, qui a permis de réaliser une mise en sécurité de ce carrefour, mais aussi grâce à une acquisition en fait des époux Chirosa. Cette action notamment a été financée par le conseil départemental à hauteur de 25%. Les travaux de remise en état d'un local situé en bas de l'église également ont été réalisés. Dans la rubrique des travaux d'hiver, un ossuaire a été créé au cimetière, diverses restaurations des bâtiments communaux, ainsi qu'une amélioration de la signalisation routière, diverses opérations de voirie. Un accès a été créé également au niveau de la stèle, érigée en l'honneur des victimes de la fusillade allemande au cours de la Seconde Guerre mondiale, située sur la route de Colli. Parcelle rétrocédée, là aussi à titre gratuit, par les époux Jardin. Nous avons effectué également un remplacement de menuiserie au niveau des écoles qui permettra de faire des économies d'énergie. Voilà. Je ne vous détaille pas tous les travaux parce qu'il y a de nombreux travaux, petits travaux qui nécessitent du temps et de l'argent également. Pour partir sur le volet de l'urbanisme, notre commune a intégré le projet Grand Site Vallée Vézère et devra appliquer des orientations urbanistiques homogènes sur toute la vallée. Le secteur de la commanderie, qui est inscrite au niveau de l'architecte des bâtiments de France, est en cours de modification et un inventaire des zones humides est venu compléter le zonage effectué par Épidore. Par contre, nous sommes en procédure de révision du POS, c'est-à-dire une transformation du POS en PLU. Cette opération a été lancée avec de nombreuses réunions avec les services de l'État et les personnes publiques associées depuis presque un an. Donc un gros travail qui a été réalisé, il y a encore du travail. Et là, une réunion publique sera prévue le mardi 2 février
Donc mardi 2 février à 18h, la salle est faite. Et donc sera organisée cette réunion avec le cabinet d'urbanisme en charge de ce dossier. Donc je vous invite à participer à cette réunion publique. Nous avons également lancé le 5 février 2015 un agenda 21 dans le souci d'un développement durable qui vise à satisfaire nos besoins à l'instant présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Il nous permet de nous questionner sur la répercussion de notre mode de vie au constat des dysfonctionnements de notre environnement proche. On pourrait parler par exemple du colis qui, le 29 décembre dernier, ne coulait toujours pas. Vaste sujet, donc je ne m'étalerai pas. Ce programme décliné au sein d'une cinquantaine de fiches actions, nous avons franchi la première étape. C'est la raison de la présence d'ailleurs de M. Taille, représentant de l'association Notre Village. Donc cette labellisation que nous avons obtenue grâce à la réflexion mutualisée du comité de pilotage, je ne sais pas si vous vous souvenez, le comité de pilotage était constitué d'une vingtaine de personnes. D'ailleurs, je vous propose, les membres du comité, de vous avancer pour ceux qui sont là. Donc ces personnes ont travaillé sur l'agenda 21 et ont émis un certain nombre d'idées et d'actions qui seront valorisées dans le cadre de cet agenda 21. Ce groupe de bénévoles a commencé l'exécution du programme, notamment au travers d'actions telles que le fleurissement du bourg, le projet pastoralisme, les journées de nettoyage du colis, les nettoyages de chemins ruraux, la gestion des déchets, les économies d'énergie, l'amélioration du cadre de vie public, les jardins familiaux. Ce sont autant de projets qui seront exploités pour le bien-être des habitants de la commune. Quantité d'actions sont encore et restent à venir. Donc je ne peux que vous inviter à y participer. Ce n'est pas parce que l'agenda 21 a démarré que vous ne pouvez pas le rejoindre. Et ce sera avec grand plaisir que vous serez accueillis. Il faut aussi, dans ce cadre-là, noter une rencontre citoyenne programmée en direction des jeunes et des adolescents de notre commune. On reproche souvent qu'ils ne s'impliquent pas. Mais je propose aux parents et aux grands-parents de les inciter à venir participer à cette réunion. Également, le projet de jardin pédagogique verra le jour au niveau des écoles. Ceci afin d'y associer des actions en faveur du développement durable. Je remercie également Denis Escalera, qui est élu et qui a été chargé de ce dossier Agenda 21 qui a animé de nombreuses réunions. Monsieur Berteil et Madame Julie Bernical, tous deux représentants de l'association Notre Village, qui nous a accompagnés jusqu'à l'obtention de cette labellisation. Nous rejoignons ainsi les communes de Borgard, Cublac, qui ont été labellisées il y a plusieurs années, et surtout la commune d'Aguin, qui est une commune précurseur en la matière, avec de nombreuses actions. Conjointement à cela, les efforts conjugués des membres du tissu associatif de notre commune ont permis d'accueillir le festival Pleine Nature en juillet dernier. Enfants comme adultes, plus de 500 personnes ont pu s'exercer sur de nombreuses activités sportives et ludiques. Une deuxième édition se tiendra en juillet de cette année, avant de passer le relais à une prochaine commune. Donc je tiens à Serge Aymar, n'est pas là ce soir, ancien conseiller général. C'est lui qui avait initié cette démarche. Je le remercie pour cela et tout l'investissement qu'il a pu fournir dans le cadre de ces divers mandats.